C'est à cause de ces faux jeux qu'un jour au ciel nous dirons ça a été difficile. Ça a été difficile. Ça a été difficile. Alléluia! Sous vos applaudissements, le frère, le frère, notre frère Grâce Moutombo, ça a été difficile. Zambi Sakumuna Benu. Donc, que Dieu vous bénisse beaucoup. Zambi Sakumuna Benu. Je voulais remercier notre papa, mon papa personnel. Donc, l'ancien Life. C'est la toute première fois que je viens ici à Pointe-Noire. Parce que lui a signé. Donc que Dieu les bénisse beaucoup, qu'il bénisse aussi les cordeaux des cordeaux. Muntunzambi. Que Dieu vous bénisse beaucoup, qu'il bénisse mes papas qui sont là-bas. Je suis vraiment béni de les voir assis là-bas pour écouter leurs enfants chanter ici. Donc encore une fois, Nzambi Sakumuna Benu. Et alors, maintenant, nous continuons. Parce que les vieux nous ont dit que l'expérience est la sommation de plusieurs erreurs. Alors, pour être ancien, ce n'est pas facile. Ça a été difficile. Donc, ça a été difficile. Salut ton frère, dis-lui, ça a été difficile. Ouais. Les jeunes pour vivre le message, difficile. Respecter les anciens, difficile. Je serai là au ciel et que je verrai tous les anges venant bien sûr m'embrassant pour me dire bienvenue. Quand je serai là au ciel et que je verrai tous les anges venant bien sûr m'embrassant pour me dire bienvenue. Et les prophètes de l'âge en train de chanter grâce étonnante à la porte du ciel pour me dire grâce, je suis ici. Et le prophète William en train de chanter grâce étonnante à la porte du ciel pour me faire signe que je suis ici. Peut-être Jésus sur son trône me couronnant de sa gloire, me disant mon fils sois bienvenu car tu as vaincu la bataille. Peut-être Jésus sur son trône me couronnant de sa gloire, me disant mon fils sois bienvenu car tu as vaincu la bataille. Je lui dirai face à face, le regardant dans les yeux, lui disant oh mon Jésus, mes couronnes se bien. Seulement je sais une chose, que sur la planète Terre, moi j'ai vu des réalités inoubliables dans mon cœur. Oh sur la terre ça a été difficile. Oh ça a été difficile. Mon sommeil, ça a été difficile. Oh oui ça a été. Ça m'a coûté beaucoup Jésus. Sur la terre ça a été difficile. Alléluia. Poussez, poussez les cris de Jésus. Oh oui moi je lui dirai. Sur la terre ça a été difficile. Mon sauveur ça a été difficile. La vie chrétienne.
terre c'était difficile. Peut-être les larmes vont couler. Oh, oh, oh. Que sur la terre c'était difficile. Peut-être les larmes vont couler. Et là tous les anges du ciel seront bien sûr scandalisés de voir les larmes couler, surtout dans la présence de Dieu. Et là Michaël viendra pour m'encourager. Michaël viendra m'exhortant, me disant pourquoi tu fais ceci. Il dira bien sûr c'était difficile. Maintenant tu n'es pas sur la terre. Grâce, tu es ici au ciel, dans la présence de Dieu. Tu n'as qu'à oublier ton passé et réjouis-toi du présent. Car tu es ici au ciel, dans la présence du roi. Je lui dirai face à face, le regardant dans les yeux, lui disant Michaël, tu ne comprendras pas ce mystère. Michaël, depuis que tu es créé, tu es seulement ici au ciel, en train de chanter sincère et éternel. Oh, toi Michaël, Michaël, tu ne sais pas comment ça fait. Quand on est devant un péché, obligé de l'éviter. Demande-moi, je l'ai subi. Michaël, tu ne sais pas comment ça fait. Quand on est devant une écriture, obligé de la vivre. Demande-moi, je l'ai subi. Michaël, tu ne sais pas comment ça fait. Quand ton père est né très très cher, par le canal de la mort, demandez-moi, je l'ai subi. Je t'ai dit, Michaël, ça a été difficile. Ça a été difficile. Michaël, ça a été difficile. Oh oui, oh oui, ça a été difficile. La vie chrétienne a été vivre ce message, ça a été difficile. Sur la terre, ça a été difficile. Je verrai William Branham. Hallelujah! Vous savez une chose, nous ne vivons pas comme tous les autres. Nous avons l'adresse du ciel. Parce que dans notre royaume, il y a eu un seul qui a visité le pays. Il est venu avec l'évidence du pays. Je serai ce jour-là de l'autre côté. Hallelujah! Merci Seigneur. Oui, je verrai William Branham quitter le grand Lifoko du ciel, quitter le grand Sylvain Yolele, quitter grand Joseph et David. Oui, je verrai William Branham quitter le grand Lifoko du ciel, quitter le grand Aaron Tchouza, quitter tous les grands vétérans, quitter tous les grands vétérans dans la musique qui l'accompagnaient à chanter grâce étonnante dans sa belle mélodie. Branham viendra à mes côtés, essuyant bien sûr mes larmes, me tapotant sur l'épaule, me disant grâce, prends courage. C'est vrai que c'était difficile, maintenant tu n'es pas sur la terre. Grâce, tu es ici au ciel. Voici les anges dont je t'ai prêché. Je lui dirai face à face, le regardant dans les yeux, lui disant William Branham, tu as raison papa Branham. Mais essaye de mettre l'histoire, mais seulement l'histoire au présent. Regardez quand tu avais perdu ta femme sur la terre. Branham, dis-moi ce que tu avais senti quand tu avais perdu ta femme, quand tu avais perdu ton enfant, quand tu étais traité d'une poule mouillée. Branham va baisser sa tête, il va aussi affirmer. Il dira grâce, tu as raison mon bien-aimé. Même William Branham dira ça a été difficile, ça a été difficile. Les pasteurs vont crier, oh oui, ça a été difficile. Les chanteurs vont crier, difficile. Les administrateurs vont crier, difficile. Tous les saints vont crier, difficile. C'est au cible des insultes, nous étions cibles de mon cœur. Oh, sur la terre ça a été difficile. Vivre ce message ça a été difficile. Seigneur, vous bénissez. Oh Jésus. Merci Seigneur Jésus.
je serai ce jour-là de l'autre côté. Merci Père. Maintenant, si nous avons l'adresse du ciel, c'est parce que dans notre camp, il y a un papa Branham. C'est parce qu'il y a eu un papa Branham qui est venu. S'il n'était pas venu, nous ne serions jamais ici. Il a fallu que papa Branham vienne. Vite, 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 vite. Oh. Message, et que je voyais le frère en Christ qui marchait dans des rues. Moi j'étais attiré par leur comportement, mais ils m'ont dit une chose qui m'avait bien réjoui. Ils m'ont dit: grâce dans notre royaume, nous avons là quelqu'un. Il s'appelle Précieux Branham. C'est lui qui connaît le chemin du ciel. C'est lui qui a l'épée du roi, le messager de Malachi 4. Le messager de Malachi 4. C'est lui qui a accompli Luc 17:30. Oh, Joël 2, il a balayé. Apocalypse 10, il a balayé. Même Jean 14:12, il a balayé. Déjà incroyant, là la note est changée, même la chanson s'est changée. Là-bas on crie qu'il est Dieu à adorer. Là-bas on dit Jésus s'aimant, c'est disservant. Les uns disent il est plus que Jésus. Les uns disent il est un simple prophète. Cela m'avait mis dans la confusion. Yeah. Alléluia. Cela m'avait mis dans la confusion. C'est ainsi que j'étais parti de William Branham, lui posant une question: de quoi s'agit-il aujourd'hui? Oh, amen. Papa Branham, parle-moi sincèrement. Tu rapportes-il un fils entre toi et le peu Jésus? Ah, Papa Branham, parle-moi sincèrement. Tu rapportes-il un fils entre toi et le peu Jésus? Oh. Le diable n'arrivera pas à nous comprendre. Il oublie que nous sommes des créateurs. Quand je pouvais entendre un homme de chair, quand je pouvais entendre un homme de chair qui se tient là-bas à la chair, il dit: vous savez mes bien-aimés, quand vous priez dans vos maisons, quand vous priez chaque nuit dans vos maisons, lâchez-moi, moi je manque sommeil. J'ai l'insomnie totale, lâchez-moi. J'ai l'insomnie totale, lâchez-moi. Mais qui est cet homme bien-aimé? Qui est cet homme de Branham? Sur qui les prières des saints tombent chaque nuit dans sa maison? Hey, hey, hey. Tombent chaque nuit dans sa maison. Hey, hey, hey. Quand je pouvais entendre un homme de chair qui se tient là-bas à la chair,
Il dit, vous savez, mes bien-aimés, que dans la pensée de Dieu, dans la pensée de Dieu, il y avait là-bas un secret. Aucun homme ne sait cela, aucun pasteur ne sait cela, aucun ange du ciel ne sait cela. Mais écoutez, mes bien-aimés, avant d'achever sa phrase, il dit, moi je vais vous le dire, je vais vous dire ce secret. Mais qui est cet homme, mes bien-aimés? Qui est cet homme de Branham qui peut aller dans la pensée de Dieu me dire ce que Dieu pouvait me dire? Me dévoiler ce grand secret. Jésus, oh, pousse la clé de Jésus. Après toutes ces questions, Branham a pris le micro. J'aimerais qu'on écoute ceci. Branham a pris le micro. Il me dit, mon fils, calme-toi, je vais te répondre. Moi j'ai toujours désiré aller rencontrer Jésus-Christ, même comme étant un malade, comme étant un homme sans valeur, que d'aller rencontrer Jésus-Christ sur son chemin comme un antichrist. Moi Branham, j'ai été baptisé au nom de Jésus. Tout ce miracle c'est au nom de Jésus. L'enfant du Finlande ressuscité au nom de Jésus. Alléluia. Petit poisson, je te donne la vie au nom de Jésus. Alléluia. Nous n'adorons pas Frère Bana au nom de Jésus. Mais prenez-moi comme vous voulez. Oh, amen, amen. Papa Branham, garde-moi oh, sincèrement. Entre toi et notre Jésus. Jésus, que le Seigneur vous bénisse. Maintenant nous allons dire amen à la parole, parce que tout ce que nous recevons c'est parce que nous disons amen. Nous allons dire amen maintenant. Étrange dans cette simple action de dire amen dans la bouche. Car Marie, mère de Jésus, vierge qu'elle était, mais l'ange lui avait dit, tu enfanteras un enfant. Marie a dit amen sans avoir raisonné. Marie a dit amen sans se poser trop de questions. Et quelques mois plus tard, nous avons vu le bébé Jésus. Jésus qui était sorti du sein de Marie. Ainsi disons tous ensemble, amen. Oh, disons amen. Amen. Au nom de Jésus, amen. Les malades seront guéris. Amen. Au nom de Jésus, amen. Les malades seront guéris. Amen. Oh oui, il y a ici celui amen. Qui est plus que Salomon. Allumer la lumière. Amen. Toi dis seulement
était déjà incurable. Mais moi je te dis, je connais encore un docteur qui n'a pas encore signé sur cette maladie. Dans son cabinet, il n'a qu'une seule ordonnance: je suis l'Éternel qui vous guérit de toutes vos maladies. Par ces meurtrissures, toi tu as été déjà guéri. Il te faut dire amen, la chose doit arriver. Ainsi disons tous ensemble, amen. Oh, disons amen. Pour recevoir ton emploi, tu as été toujours rejeté. Mais moi je te dis, je connais encore un directeur, directeur d'une entreprise, c'est le directeur Jésus. Mais lui te dira, tu es la tête et non la queue. Lui te dira, il a fait de toi un royaume de sacrificateurs. Lui te dira, tu es un fils légitime. Mais toi dis seulement amen, Jéhovah entre en scène. Ainsi disons tous ensemble, amen. Oh, disons amen, amen. Au soir d'aujourd'hui, amen. Les malades seront guéris, amen. Au nom du Seigneur, amen. Reçois ton mariage. Ça vous se moule bien.